Top les gars, c'est encore Livia, comme d'habitude. On se retrouve pour cette fois-ci encore un match sur PES 2018 pour le troisième match de la compétition de Vers une légende, toujours avec le Strasbourg Club. Donc je suis titularisé pour le prochain match contre Toulouse. Donc on y va ensemble, gaiement. Donc j'ai appris quelques petits trucs grâce à Twitter, merci les gars quand même, qu'il fallait mettre des options d'entraînement. Donc voilà. Merci à vous les gars. Ce match va bientôt démarrer. Grégoire Margoton pour vous servir. Et à mes côtés, notre expert maison, Darren Tulette. Bonjour Grégoire, bonjour à tous. C'est toujours un immense et c'est plaisir parti les gars! de vous retrouver. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Ouverture vers le poteau de corner. Oh, bon centre devant le... Et la tête! Et voilà! Voilà les gars, comment qu'on fait? Passe en profondeur, un centre et un but. Regardez, balle en profondeur, le long de la touche, impeccable. Le centre, impeccable, impeccable les gars. Le Toulouse Football Club qui est invaincu en ce début de saison, d'accord, mais quand même, cette équipe n'a pas encore goûté à la victoire. Oh! Ah, j'ai fait de la crotte là. J'ai fait de la crotte. Excusez-moi. Elle a perdu la balle, Martin. Ah, ça inquiète pas ça. Non, c'était téléphoné ça. Oh, elle deux. J'ai rien vu, les gars. Ah, ça, c'est mal fait. Attendez, on va regarder le ralenti. Parce que c'était chaud, là. Ouais. Oh, là, je l'avais presque. Ok, c'est corner. Alors. Oh, putain, c'est moi qui tire le corner. Pourquoi c'est moi qui ai tiré le corner? Moi je veux marquer des buts! C'est joué long, attention. Et c'est directement récupéré. Putain!
contre, l'arme fatale. Cornier qui perd l'équilibre. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Oh là là, je fais n'importe quoi là. Je veux trop marquer. Qu'est-ce qui a fait faute? Ok. C'est pas moi. Hein. Oh, dis donc. Yes. Voilà, il n'y a pas besoin forcément de marquer, juste d'être dans la création. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond défilé. Idriss Saadi qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là ils ont fait le break et ils peuvent gérer. S'ils le trouvent, belle passe lobée sur l'aile. Oh, tu l'as. Comment on fait un appel de balle? Encore 5 minutes et ce sera le repos. Allez, encore une ou deux accélérations. Cornier, il était bien présent. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Ça passera sur le côté. Assez mal joué, ballon perdu. Une très longue passe. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Ouais, j'y vais. Forcément à chaque match qu'on commence. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Bon, je suis toujours là en deuxième période, c'est que j'ai pas été trop mauvais. Corner, merde. Moi je te marque toi. Il repousse. Oui, il peut frapper là. Coup de sifflet, hors jeu. Football Club qui espère sans doute être un peu plus solide défensivement qu'au dernier match où les deux buts encaissés. La frappe. Ah, c'est contré, mais laissez-moi tirer. Le Toulouse Football Club qui peut construire. C'est dur hein, quand même. Hein. Blin, c'est joué long vers le poteau de corner. Danger repoussé pour le moment. Oui, je suis où moi? Là. Bien joué ça. Il est bien placé. Super timing à la limite du hors-jeu. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. La bonne passe. Idriss Saadi qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Ils ne veulent pas commettre la même erreur. À mon avis, ils vont le garder à l'œil jusqu'à la fin du match.
Putain. Ah, j'ai fait le boulet. Ma faute, my bad. Va la chercher la balle. Punaise. Ouais, 2-0. Et deux fois, je suis dans les actions, les gars. Mais non, c'est. Je pensais qu'elle serait mieux arrivée la balle. Putain! Ah, ils ont compris, hein. Il a dit que j'avais un coup de génie. Il me connaît pas encore celui-là, tiens. Coéquipier là juste avant la passe. Martin, le Racing Club de Strasbourg qui gère tranquillement ses deux buts d'avance dans cette fin de match. Oh, quelle frappe! Et le gardien n'a même pas eu à intervenir. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté. Ah ouais? Pas la pression, moi. Putain, je suis sorti, les gars! Oh non, mon sang! Bon, bah, du coup, on passe en accéléré. Bon, on s'en fout, on gagne 2-0, c'est le principal. Oh putain! Voilà! Je suis sorti, mec! Ah, je suis sorti, voilà, on prend un pion. Voilà, milieu de terrain perdu. Je vous l'avais dit, les gars. Plus 2 minutes de temps additionnel. C'est bon. On a eu chaud, les gars. Bah écoutez, pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires.
On est pas mal, hein? On est pas mal, hein? On est pas mal, on est pas mal. Hein? Donc le classement, pour l'instant, nous sommes deuxième derrière Monaco. Nombre de points 9-9. Impeccable. Voilà, là vous avez à peu près mes stats. Il y a du boulot, hein. À 17 ans, hein. Ah, je les fais pas, je sais. Donc moi, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à mettre, activer la petite cloche pour le suivi de la série. Et dites-moi toujours en commentaire si vous voulez une série ou si vous voulez que des matchs de temps en temps. Moi, je suis bien chaud pour la série. Et donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez des tactiques, des petits trucs comme ça qui pourraient m'aider. Mais sinon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.